Des emplois francs plus attractifs, c'est ce que prévoirait le gouvernement pour sauver ce dispositif. Une aide de l'État pour embaucher des habitants de quartiers en difficulté. Car pour l'heure, les objectifs sont loin d'être atteints. 4300 contrats signés en un an au lieu des 15 000 prévus. Un emploi franc, Jessica Danti en a bénéficié. À 20 ans, habitante d'Aulnay-sous-Bois, au chômage, elle avait du mal à trouver un travail. Ça m'a permis déjà de trouver un emploi plus rapidement. Soulagée, j'ai un CDI, j'ai 20 ans, ça va. Le principe de l'emploi franc, pour embaucher en CDI une personne issue de quartiers en difficulté, 15 000 euros d'aide sont versés sur 3 ans à l'employeur. 5 000 euros sur 2 ans en CDD. Indispensable selon cet entrepreneur qui a ouvert son restaurant il y a quelques mois. Les difficultés sont sur la gestion de trésorerie avant de l'ouverture, contrôler une certaine masse salariale. Le fait d'avoir ces versements tous les 6 mois pendant 3 ans, c'est une bouffée d'oxygène. Pourtant, le dispositif séduit peu. Alors le gouvernement envisage de l'élargir. Cette aide financière pourrait être prolongée en cas de renouvellement de CDD ou de transformation en CDI. Mais pour cet économiste, il faudrait aussi simplifier les démarches administratives pour le patron. L'employeur doit faire une démarche pour bénéficier de cette aide et il faut que cette démarche soit faite dans les 2 mois suivant l'embauche. Et donc si elle n'est pas réalisée, cette démarche dans les 2 mois suivant l'embauche, alors ils perdent l'aide. 30% des dossiers sont ainsi rejetés car l'employeur demande cette aide trop tard. Ce délai administratif pourrait être rallongé.